Yo les potos, c'est Rage Gosh, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis un petit nouveau gameplay sympathique, tu vois, qui est en fond. Donc je vous présente juste ça maintenant, justement, un 41JS Flawless sur la map Empire, donc le DLC 3 qui est sorti il y a 2 semaines. Donc voilà, ce gameplay aussi il date de 1 semaine. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Mais bon, c'était... voilà, je tenais à vous le proposer en fond, comme ça j'avais des vidéos plus importantes. Et du coup, j'étais accompagné de Wheezy, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est dans la rage. Et donc lui, il a réalisé un 64JS dans cette map, donc pas sur cette partie-là, mais avant moi, d'ailleurs, en plus. Et donc, si vous voulez aller voir son gameplay sur sa chaîne, n'hésitez pas. Sa chaîne YouTube sera dans la description, n'hésitez pas à voir ce que fait Wheezy. Ça me ferait plaisir, c'est mon petit poteau, tu vois, dans la rage, j'aime bien jouer avec lui, il est bien marrant. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, ça me ferait plaisir. Si ça peut l'aider... monter un peu sur YouTube, voilà, c'est toujours bien, c'est toujours bénéfique pour lui. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Et je sais, comme vous êtes des abonnés un peu actifs, vous êtes des bons abonnés, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce que ça vous plaira. Et donc voilà, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo un peu spéciale sur le spécialiste Dark Mater. Alors là, vous allez me dire, oula, comment ça se fait qu'on en a pas entendu parler avant ta chaîne? Et tout simplement parce que ce spécialiste, à mon avis, ne sortira pas. Et si je fais une vidéo dessus, et si vous avez les images à l'écran, c'est pas parce que, c'est je les ai eues à l'avance ou j'en sais rien. J'ai trouvé ça sur une vidéo d'un américain. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce spécialiste, pourquoi il ne sortira pas? C'est parce que pour moi, c'est du fake, c'est une vidéo photoshopée. Mais alors pourquoi je fais la vidéo? C'est parce que je le trouve vraiment stylé, mais vraiment magnifique, le spécialiste. Et je tenais vraiment à vous le montrer. Sinon, je le garde pour moi, si je garde l'image que pour moi, je trouve ça pas intéressant de la garder que pour moi. Je préfère vous la faire partager et que vous voyez tous que ce spécialiste pourrait vraiment être stylé s'il sortirait. En tout cas, il rend vraiment bien Dark Mater. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est pas du vrai. Tout simplement, si on se rapproche un peu sur l'image, vous pouvez voir que les contours du Dark Mater sur le personnage dépassent un peu à des moments. Je vais vous montrer ça en zoom, en gros plan. Et donc là plusieurs endroits, la plusieurs parties de spécialiste qui est un peu mal fait, mais bon, de loin ça rend vraiment super bien, mais après quand on se rapproche un petit peu, on voit que c'est du faux. Et donc je vais vous montrer aussi à l'instant, à votre écran, l'image du spécialiste qui a été, on va dire copié. Je sais pas comment vous dire, l'exemple de ce Dark Mater, il a été pris sur un autre spécialiste, voilà, la deux images similaires, sauf qu'on voit que c'est l'un qui est Dark Mater, l'un qui est en or. Et donc vous pouvez voir qu'il a juste, le gars, enfin le graphiste qui a fait ça, il a juste repris les parties en or, il les a mis en Dark Mater. En tout cas, je sais pas s'il faut avoir un gros level pour faire ça, à vous de juger, hein, tous ceux qui sont GFX. Moi je ne suis pas GFX, je peux pas vous dire si c'est dur à réaliser, si faut beaucoup de temps pour le faire, voilà, c'est pas, je n'ai pas le niveau pour y juger. En tout cas moi je saurais pas faire, ça c'est clair. Et donc je trouve en tout cas que ça peut être une bonne idée de le sortir sur Black Ops 3. Je ne pense pas du tout que ça se fera, vraiment, je pense pas du tout, parce que de toute façon, ce spécialiste, l'image que vous avez à l'écran, c'est pas une personne de Black Ops 3, une personne d'Activision ou de Triarch qui vous a fourni l'image, c'est vraiment une personne, je l'ai pris sur un américain, mais il explique dans sa vidéo que c'est une personne qui a photoshopé ce spécialiste. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite à mettre dans les commentaires comment vous trouvez le spécialiste. N'hésitez pas à mettre si vous le trouvez joli, si vous le trouvez super bien fait, si le gars qui a fait ça, il a une bonne idée et que vous aimeriez bien que ça sorte sur Black Ops 3. En tout cas, je vous propose de mettre tout ça dans les commentaires, ça me fait plaisir. Cette vidéo est vraiment faite pour ça. Je vous fais pas une vidéo pour vous dire ce spécialiste il va révolutionner le jeu, il va sortir, etc. Je vous dis clairement que pour moi c'est du faux, que c'est une vidéo, une photo photoshopée. Et que du coup pour ceux qui savent pas photoshopper, c'est une vidéo qui a été retravaillée pour que justement ce soit, c'est justement pas une vraie, une image officielle, c'est une vidéo trafiquée, voilà si vous voulez. Et du coup ce spécialiste ne sortira pas pour moi. Alors excusez-moi si dans le titre j'ai dû mettre spécialiste Dark Mater, Black Ops 3, je sais pas, tu vois, un truc comme ça. C'est justement pour faire partager à un plus grand nombre de personnes. Là il y en a qui m'ont crié à Obscure Rage Ghost. Non, Obscure Ghost tout court, tu vois. Non, les gars, vous inquiétez pas, je suis pas de ce bord là. J'essaie d'un peu de changer mon type de contenu sur ma chaîne. Vous avez pu voir que là récemment je faisais un peu plus de vidéos et je pense que vous préférez me voir actif que inactif. Parce qu'il y a eu des périodes de mon activité qui n'étaient pas trop ça, tu vois. J'ai eu des moments où j'ai pas fait de vidéos pendant 3 mois, d'autres pendant 1 mois et demi, voilà.
Donc si aujourd'hui je vous fais ce genre de vidéo, c'est que c'est des vidéos qui ne prennent pas trop de temps et que je trouve intéressantes, puisque je voulais plus vous faire des vidéos avec un gameplay de fond et je vous parle de n'importe quoi, tu vois, je parle du gameplay, à part si c'est vraiment un bon gameplay, à la limite. Mais bon, aujourd'hui je pense que des vidéos comme ça intéressent beaucoup plus la communauté que des vidéos avec juste le gameplay et puis je raconte ma life dessus. Voilà, donc si vous voulez plus de ce genre de vidéos ou si vous avez carrément des idées de vidéos à me proposer, je suis vraiment preneur parce que voilà, aujourd'hui je tiens à faire des vidéos qui vous intéressent et qui vous plaisent surtout, parce que je vais pas faire des vidéos qui vous plaisent pas. Aujourd'hui c'est une vidéo test. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, pareil, hein, c'est vraiment le but. Vous êtes ma communauté, hein. Si vous êtes pas ma communauté et que vous venez critiquer la vidéo, c'est que vous servez à rien. Hein. Je sais pas si. En fait, en gros. Moi j'attends que ce soit mes abonnés qui me donnent des retours sur cette vidéo, qui font partager leurs impressions si la vidéo vous plaît ou vous plaît pas, si vous voulez que j'en fasse ou que je n'en fasse pas. Si c'est des gens qui sont pas abonnés qui viennent critiquer tout simplement ou dire que voilà j'ai pas à faire ce genre de vidéo, vous avez rien à faire là déjà. Si vous êtes des abonnés, pour moi vous avez le droit de juger. Si vous êtes même pas abonné, alors pourquoi t'as cliqué sur la vidéo, tu vois, je veux dire, là une sorte de logique. Donc voilà, donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, enfin en tout cas si ma vidéo comme elle est travaillée t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, si voilà, va pas dislike parce que, oh gros fake Dark Matter, mais j'y peux rien poto, moi aussi j'aimerais bien qu'il sorte sur le jeu. Voilà, en tout cas je vous ai fait part de cette image, alors j'aurais pu très bien la garder pour moi. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir à peu près quoi ressemblerait ce spécialiste en Dark Matter, parce que les gens pourraient visuellement pas se l'imaginer. En tout cas, vous l'avez en image à quoi ressemblerait ce spécialiste. Et je pense qu'elle n'a pas beaucoup eu l'idée en quoi il ressemblerait en Dark Matter. Donc voilà, là je vous en ai fait part. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en mettant un like. Hein. C'est une façon de me remercier en tout cas, ou de tout simplement donner ton avis. Voilà. Et donc, si cette vidéo t'a plu, je suis content tout simplement. Allez les gars. J'espère que vous serez là dans mes prochaines vidéos et puis je vous dis ciao tout le monde, allez peace. Yo les potos, c'est RageGol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Call of Duty Last Strike, un jeu un peu Lego, tu vois, des Call of Duty qui jouent sur PC ou Xbox One, c'est à l'application sur le PC, ou je sais pas comment ça se passe. J'ai vu que